Salut, salut, salut à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous passez des bons moments, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, je vous fais une petite vidéo déjà en cette fin d'année pour vous parler des projets futurs, des projets de 2022. Je sais que 2021 n'était pas forcément une année facile pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous ont vécu des moments difficiles. Il y a toujours la pandémie, c'est pas encore fini, il y a encore des nouveaux variants qui arrivent là. Et je sais que ce n'était pas facile, je sais que ce n'était pas facile. Beaucoup d'entre vous ont eu des situations compliquées. Mais je vous dis de garder courage. Et les challenges ne finissent jamais. Les challenges ne finissent jamais. Que ce soit lorsque vous voulez monter une nouvelle entreprise, que ce soit lorsque vous voulez avoir des enfants, que ce soit lorsque vous voulez vous marier, que ce soit lorsque vous voulez perdre du poids, que vous voulez rencontrer des gens, il y a toujours des challenges. Mais confiez toujours vos challenges au Très-Haut. Voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de projets en 2022. C'était aussi l'occasion pour moi, c'est aussi l'occasion pour moi de faire une petite mise au point, de vous parler un peu, de dire où est-ce qu'on en est, de ce qu'on fait. Et pour pouvoir avancer sereinement en 2022 par la grâce de Dieu. Madeline Casalis, je suis toujours à fond sur Madeline Casalis. Madeline Casalis, pour ceux qui connaissent depuis 10 ans, parce que Madeline Casalis fêtera en 2022 ses 10 ans. Depuis 10 ans, nous avons développé une marque qui a pris sa place, une marque de cosmétiques naturels qui a su gagner sa place dans le cœur, dans vos cœurs, mais également dans le panorama cosmétique au Cameroun, mais également en Afrique. La marque se développe. La marque se développe, c'est-à-dire que vous savez que ça fait déjà quelques années que j'ai réussi à mettre en place une nouvelle unité de production, à investir massivement. Nous avons de nouveaux produits que nous comptons sortir bientôt. Les produits sont disponibles. Nous sommes toujours en poste et nous sommes toujours leaders sur la cosmétique, sur le cosmétique naturel. Voilà. Donc, c'était vraiment pour rassurer. Parce que certains se disent, mais il fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il fait la musique? Est-ce que... Ah, peut-être les cosmétiques, ça l'a tapé, hein? Non, on est toujours dedans et on est toujours devant. Voilà. Donc, je rassure justement à tous les consommateurs de Madeline Casalis. Tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Nous avons aussi développé depuis 2 ans Madeline Lab qui fait de la sous-traitance cosmétique. Nous travaillons déjà avec une quinzaine de clients, que ce soit sur le plan local ou que ce soit sur le plan international. Nous fabriquons des cosmétiques pour vous. Si vous avez envie de développer votre propre marque, vous pouvez nous confier justement votre projet et on pourra discuter des modalités. Voilà, donc on fait aussi de l'ingénierie. À travers GAN Industries, on fait aussi de l'ingénierie industrielle. Celui qui veut monter une unité de production en Afrique, il peut nous contacter. Il y a toujours les activités de conseil également, d'accompagnement, de coaching, de conseil en stratégie, en ingénierie financière. Voilà, donc il y a un panel d'activités que nous faisons. Certains ont dû remarquer que je me suis beaucoup investi aussi dans la musique. C'est surtout d'abord par passion, même si je travaille aussi en backstage avec pas mal d'artistes, des artistes qui vont probablement sortir des titres, on va dire, d'ici peu ou en 2022. Donc je travaille avec pas mal d'artistes. C'est vraiment par passion. Voilà. Et moi je me dis, nous avons une seule vie. Il faut pouvoir développer les capacités que le ciel nous donne. Et vraiment, moi, ça me fait un bien fou de composer de la musique. Et je n'ai pas honte de ça. Et je vous encourage, si vous avez une passion, si vous avez des choses que vous aimez faire, si vous aimez peindre, si vous aimez chanter, si vous aimez, faites-le. 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 Ne vous restreignez pas. Voilà. Donc, c'est aussi une activité qui se développe parce que nous faisons aussi, nous avons des prestations. On nous demande quand j'ai des prestations, c'est-à-dire que les gens demandent des compositions, que ce soit pour des défilés de mode, que ce soit pour des livres pour enfants, que ce soit pour des films, etc. Donc voilà, c'est une manière d'exercer toute la créativité que je peux avoir. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui vont sortir aussi.
l'année prochaine sur ce volet. Ce qui fait en fait, en réalité, que j'ai pas beaucoup de temps. Ben oui, j'ai pas beaucoup de temps. Ceux qui me suivent également voient que sur TikTok, ceux qui me suivent sur TikTok, je vous encourage aussi à vous abonner sur TikTok. Je fais aussi beaucoup de vidéos sur TikTok, des formats beaucoup plus courts. Et il y a beaucoup d'engagement et beaucoup de gens qui vont là-bas. Je vous encourage à aller aussi sur TikTok pour ceux qui veulent des conseils rapides, courts, des petites capsules qu'ils peuvent également partager. Donc, avec tout ça, bien évidemment, si on y ajoute la vie personnelle, si on ajoute tout ça, il manque du temps. Il manque du temps. Ce qui fait que, justement, pour cette année, je vais reconfigurer justement ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que je vais poster un peu moins que d'habitude, mais ce sera toujours régulier. C'est-à-dire que c'était à peu près 3 vidéos par semaine, 3 vidéos de conseils par semaine. Je pense que j'en ferai dorénavant une par semaine. Voilà. Une un peu plus longue avec un sujet, un sujet vraiment, on va dire costaud. Une un peu plus large, etc. Vous avez déjà beaucoup de contenu. Je pense que il y a plus de. On va dire, il y a à peu près 800-900 vidéos hein, sur la page YouTube. Mais vidéos de conseils, il doit en avoir plus de 200. Hein. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. Pour ceux qui ont envie d'apprendre des choses, il y a de quoi faire. Mais je continuerai, je ne vous lâcherai pas. Je serai toujours présent. Voilà. Mais je vais aussi me concentrer. J'ai d'autres plateformes, j'ai d'autres choses. Voilà, et une journée n'a que 24 heures. Une journée n'a que 24 heures. Nous avons beaucoup d'activités. Et il faut aussi trouver, c'est aussi important, du temps pour soi. Du temps personnel, justement, pour pouvoir se retrouver. C'est très, très important. Donc, voilà. 2021 n'était pas facile. 2022, vraiment, on souhaite vraiment que. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour cette nouvelle année 2022. Voilà, je sais que pendant 2 ans, parce que 2020, c'était pas facile, 2021 aussi, il y a des gens qui ont été confinés, il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, j'en fais partie. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui ont perdu confiance en eux, il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui ont changé quoi, carrément leur vie. Voilà. Nous essayons de nous battre pour essayer aussi de faire en sorte que vous puissiez changer positivement vos vies et que tout se passe bien. Pour vous. Donc je vous souhaite une excellente année 2022 à vous et à toute votre famille. Allez, bisous à tous et on se voit en 2022.